Jean-Claude Mas is a true entrepreneur. His astonishing development, which has now seen him grow from a few dozen hectares to more than 800 in 2 decades, has nevertheless been done in his own way, that of a true explorer of a region that is his own, as well as that of a passionate lover of the land and the people who live there. Jean-Claude Mas has his own idea of wines and their style, but he also knows how to recognize the reason for the terroir. This is the case for Clos Moulinat, a plot of Château Paul Mas with very specific characteristics. Ce que je vois sur les raisins que je récolte là au Moulinat, on n'a pas que des Syrahs, on n'a pas que des Grenaches, il y a tout un ensemble de cépages, on a une dizaine, mais tous ont une typicité là aussi. C'est cette peine de la Bayelle avec il y a des affleurements un peu basaltiques, il y a quelque chose, je cherchais à expliquer. Et c'est vrai qu'ils sont plus dans la finesse, ces vins que... Oui, on est moins dans le côté riche et épanoui du Clos des Murs, et plus dans quelque chose de fin, de complexe. He knows how to get behind the land without ever fighting it. On a l'impression que c'est le terroir qui parle plus que ton style. Tu t'es un peu obéi au terroir. Je me suis mis derrière. When he acquired the Domaine de l'Auriga, he discovered a new region, the Roussillon. He had to understand it first, then react very quickly. Il y a de la sucrosité, il y a cette générosité, il y a vraiment la générosité du Roussillon, mais on sent quand même, la finale n'est pas du tout sur l'alcool, au contraire. Elle est, c'est l'acidité, oui. C'est... Il y a du nerf aussi, il y a de la fraîcheur. J'ai eu du mal à m'adapter au Roussillon au début, parce que c'est vrai que je l'ai trouvé trop figue. Après, j'aime bien ce côté alcooleux, cette sucrosité, mais je l'ai trouvé trop figue, trop limite éthéré. Tu vois, je voulais les reprendre, les refermer sur eux-mêmes. Tu vois, c'est ce qui moi, ce que j'aime sur mes vins aussi, c'est pas qu'ils soient bouffe comme ça. Il faut qu'ils se referment sur eux-mêmes et qu'après qu'ils montent, ils explosent. Oui. C'est ça que je cherche. Typique. On a cette attaque qui est très généreuse, très très ample et qui est très différente de tout ce qu'on a goûté côté Languedoc. Mais après, on retrouve ce nerf, cette profondeur et cette fraîcheur. Et ça, c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi à atteindre. Voilà. Parce que quand je vois l'ancien propriétaire, ce qu'il faisait, c'est vrai qu'on était sur des choses... La sieste. This respect for the terroir does not prevent him from pursuing his dreams, quite the opposite. A child of the Pays d'Oc, trained in wine abroad, Jean-Claude Mas dreams of opening up the borders of wine. Thus was born Astelia. Alors, Astelia, c'est un vin, c'est un concept, et c'est aussi tes racines. Je trouve que tu es un des rares vignerons français qui a une inspiration, qui a une culture qui est internationale, peut-être même avant d'être française. Tu as eu toute cette période où tu étais à l'étranger, où tu ne faisais pas du vin, mais, tu as été source d'inspiration là-bas. Et ça t'a marqué. Quand on est ici à Astelia, même architecture, etc., on pourrait être en Californie. Ou en Italie. Ou en Italie. Et tu vois, le soleil ne touche pas les murs, et ça, c'est japonais. Donc, c'est un melting pot de un peu de ma vie. Quoi. Et le cabernet, c'est un peu ça, parce que, tu vois, j'aime les cabernets. Les premiers cabernets Sauvignon qui m'ont le plus bluffé, où je commence à découvrir le vin, sans vraiment connaître grand-chose, c'était quand j'habitais à Miami, c'est l'Amérique du Sud. Oui. Après, j'ai découvert la Napa. Après, j'ai découvert un peu l'Australie. Et j'ai essayé avec Astelia de faire un cabernet, c'est vrai qu'il est très international, qui ressemble un peu à cette culture. Et après, un cabernet plus... un grand vin un peu plus dans quelque chose de plus complexe. Et c'est amusant parce que quand on goûte à Astelia, on est vraiment transporté dans ce qu'on appelle en France le Nouveau Monde, qui n'est pas que le Nouveau Monde d'ailleurs, mais on le goûterait à l'aveugle, on ne le situerait certainement pas en France. Mais c'est aussi un de tes caractères, c'est peut-être un des vins qui va être le plus compliqué à comprendre pour les Français bien habitués à leur terroir ou à leur style de vin, mais c'est aussi vraiment toi, ça. Ouais. Mais attends, là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un terroir. Moi, j'ai lu l'histoire du cabernet. Non, mais il y a un terroir, il y a un cabernet qui n'est pas du tout végétal, c'est ça qui est très intéressant. Il est très mûr, épanoui,
Il y a aussi un paquet de bois quand même. Hein. Ouais. Mais c'est la culture. Tout ça est riche, harmonieux, etc. Mais il faut aussi s'y préparer, s'y habituer. Ouais. Et c'est vrai qu'il ne fera pas l'unanimité chez les buveurs de Cabernet en France. Ça va être difficile pour un certain temps. But Jean-Claude Mas handles the counterpoint with consummate skill, while he produces a red Cabernet Sauvignon with an international flavor. The Estella White sounds like a brilliant return to his roots. Et alors le Grand Blanc, c'est un Paris, cépagement quand même très local. Oui, pas du tout international. Hein. Non, Grenache blanc, Picpoul et un peu de Viognier. J'ai pris un Paris là. Tu sais, comme font encore une fois, je vais citer l'Italie, mais bon, comme font ces Italiens près du lac de Garde, tout ça, ils font des vins ultra aromatiques. Très bien équilibré. Et moi, je voulais faire la même chose, mais avec plus de densité, tu vois. Moi, j'ai goûté le... Parce que tu fais aussi du chardonnay. Très honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas photo. Là, on a vraiment une expression. T'aimes pas mon Russian River, chardonnay. Justement. Tu sais, en ce moment, on ne sent pas beaucoup de France. C'est si loin, Californie. Mais là, on a vraiment un truc... Qui est à la fois complexe et qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de plénitude et qui est complètement harmonieux, c'est très équilibré. C'est une vraie réussite. Quoi. Honnêtement, je trouve que c'est un vin c'est un grand. Ça s'appelle le Grand Blanc, ça correspond au nom. C'est vraiment là, je me suis. J'aime bien me lancer des défis, hein, mais là c'est un défi. Ouais. Ah oui, c'est un beau défi. Pas, ouais. Et je pense que le Picpoul, c'est un cépage très sous-estimé, mais qui a beaucoup de sens dans ces régions qui voient la mer quand même. Ouais. 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 Là, il est en bio aussi, c'est un terroir. On revient à l'eau. Ouais. On revient à l'eau. On revient à l'eau. As you can see, Jean-Claude Mas has decided to live his wine-growing dreams to the full. And for this outstanding experimenter, the Languedoc is an incredible land, capable of providing great terroirs with opposed characteristics.